Les grands argentiers de la zone euro sont catégoriques. Les banques créancières de la Grèce vont devoir faire de nouveaux efforts et assumer des pertes conséquentes. Pour éviter la faillite d'Athènes, les banques sont incitées à effacer au moins la moitié de la valeur des dettes grecques qu'elles détiennent, contre 21% initialement prévu en juillet. En clair, elles devront assumer des pertes de 50 à 60% pour réduire la dette à 120% du PIB. Jean-Claude Juncker. Nous prévoyons de négocier avec le secteur privé. Ce n'est pas utile de rendre public dès à présent les objectifs ciblés de ces négociations. Mais chacun sait que c'est cette proportion que nous allons établir. Reste à savoir si les banques accepteront ce nouveau plan de sauvetage. En contrepartie de l'effort attendu, les Européens planchent sur un vaste plan de recapitalisation du secteur bancaire à hauteur de 100 milliards d'euros. Objectif, amortir le choc. Ce sommet marathon se poursuit. Le fardeau est extrêmement lourd sur les épaules des ministres des Finances, surtout sur ceux de la zone euro. Aucune question débattue ici n'est anodine. Hier, ils ont été capables de surmonter le premier obstacle.